Nous avons en France plusieurs partis ayant radical dans leur nom étant plutôt centristes en réalité. Le mouvement radical, le parti radical de gauche, les radicaux de gauche, l'ancien parti radical, tous ces partis ont le mot radical, synonyme plutôt d'extrême, et sont pourtant des partis centristes, alors qu'on pourrait s'attendre que ce soit des partis extrêmes, d'extrême gauche ou d'extrême droite. Mais non. Mais cela vient de leur histoire. En effet, tous ces mouvements-là découlent du parti radical, et du courant politique des radicaux qui se sont formés du coup durant le 19e siècle et qui étaient des républicains, qui étaient radicalement républicains, attachés à la séparation de l'Église et de l'État et une défense radicale de la République contre du coup ses opposants. Et à l'époque, du coup, ils étaient l'extrême gauche. Mais entre-temps, ben forcément, la République et la laïcité se sont imposées et leur position n'ont plus rien de radical. Mais ils ont gardé ce nom historique, d'où ces partis radicaux centristes.